Shavua tov u'mazal tov Eliyahu HaNavi'a zachur letov. Viva serlanu besorot tovot yeshuot v'nechamot. Eliyahu HaNavi, Eliyahu HaTishvi, Eliyahu HaGiladi, Eliyahu HaNavi, Eliyahu HaTishvi, Eliyahu HaGiladi, b'mehera yavo elenu. Bimera yavo elenu, bimera yavo elenu, Imashiach ben David, 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 Imashiach ben David. Imashiach ben David, 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 Eliyahu Hanavi, Eliyahu HaTishvi, Eliyahu HaGiladi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu HaNavi. Bimera yavo elenu, Imashiach, Imashiach, Imashiach ben David, Arachaman, uishlach lanu. Et Eliyahu HaNavi, Arachaman, uishlach lanu, et Eliyahu HaNavi, zachur letov, vivaser lanu, lanu, vivaser lanu, besorot tovot, yeshuot v'nechamot. Eliyahu HaNavi zachur latov, 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 Eliyahu HaNavi zachur latov. Shavua tov u'mazal tov, Eliyahu HaNavi zachur latov. Bonsoir à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. On va développer ensemble ce que le Tania du jour a à nous dire, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, dans cette petite portion de Chassidut. Mais comment ne pas commencer avec une belle histoire, puisqu'on sait que c'est important de raconter des histoires le Motsei Shabbat après la Havdala, et on sait que cela porte bonheur, donc que cela puisse porter bonheur à chacune et chacun d'entre vous, Be'ezrat Hashem. C'est l'histoire d'un homme riche, très très riche, qui construit un magnifique royaume, un magnifique château. Son ami vient un jour taper à sa porte et lui dit « Dis-moi mon ami, j'ai vu que tu as construit un magnifique château, j'aimerais m'associer avec toi et puis tout simplement l'acheter ce château. » Il lui dit « Non mais pas du tout, je viens de le construire, je vais le garder pour moi ce château, il m'appartient. » Voilà son ami qui lui dit, bah dans ce cas-là, on peut s'associer, puis on partage. Je te paye la moitié du château, et tu auras la moitié du château, et moi j'aurai l'autre château, l'autre partie du château. Et là, le riche lui dit, mais non, pas du tout, j'ai construit ce château pour moi, je ne veux pas du tout le partager. Il lui dit, bah dans ce cas-là, allez, sois gentil, vends-moi au moins une pièce. Il dit, non, je ne te vendrai pas une pièce, je veux garder tout le château pour moi, avec toutes les pièces qui se trouvent à l'intérieur. Il lui dit, dans ce cas-là, ben, regarde, laisse-moi au moins un petit corridor dans ce château-là. Le passage entre deux chambres. Et non, je ne te donnerai même pas ce corridor. Je veux garder tout mon château pour moi. Mais c'est son ami, donc il continue à l'écouter. Il lui dit, regarde, est-ce que tu peux au moins accepter de me laisser prendre un clou et de planter un clou sur un de tes murs? Je ne te demande pas autre chose. Et là, son ami lui dit, il n'y a pas de problème, fais donc. Prends ton clou et puis plante-le sur un des murs. Je te permets de le faire, je t'autorise à le faire. Et voilà que son ami décide de prendre un clou. Il plante ce clou sur un des murs. Et puis, il s'en va chercher son manteau pour l'accrocher sur ce petit clou. Shavua tov, tzadik. Bon, parfait. Le propriétaire ne dit rien du tout. Il ouvre la porte et cet homme-là part. Au bout de quelques minutes, il rentre de nouveau pour aller chercher son manteau. Il tape à la porte, il entre dans ce magnifique château pour aller chercher son manteau qui est accroché à ce petit clou. Les minutes passent, et puis il s'en va. Hein, tout simplement, salut, bonjour, au revoir, il s'en va. Et puis, le lendemain matin,
pareil, on tape à la porte, qui c'est son ami? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vais chercher, je viens déposer mon manteau. Voilà, je veux l'accrocher à ce clou. Et voilà comme ça qu'il rentre et qu'il sort, Son ami lui dit, écoute, on va faire quelque chose, ça devient un peu compliqué, tu rentres toutes les 10 minutes. C'est pas sympathique. Je vais te donner une petite pièce de 2-3 mètres carrés, et puis là-bas, tu planteras ton clou et tu pourras ranger tes affaires là-bas. Et c'est ce qu'ils vont faire. Mais voilà qu'il rentre et qu'il sort, et puis petit à petit, il se rend compte que ça prend encore de la place. Un jour, il envoie ses enfants, un jour, il envoie son aide de camp, un jour... C'est pas possible. Regarde ce qu'on va faire. Je vais te donner une grande pièce, mais pas la pièce, tu sais, la pièce qui est juste à côté du château, là. Celle qui est juste à côté, je te la donne et tu fais ce que tu veux là-bas. Il n'y a pas de problème, vas-y, je te laisse. Parfait. Il lui donne la pièce et voilà que son ami arrive le lendemain matin avec sa femme, avec ses enfants. Il s'installe dans cette petite pièce-là qui devient et qui fait office de maison pour lui. Et là, il fait la fête tous les jours. Il y a du bruit et les enfants. Son voisin riche, le propriétaire, n'en peut plus. Il lui dit, mais c'est pas possible, tu peux éviter de faire autant de bruit. Oui, mais bon, je ne suis pas OK, tu m'as donné cette pièce-là, donc je fais ce que je veux. Bon, on peut... Au bout d'un certain temps, voilà que ce riche homme ne peut plus supporter le bruit de son ami. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il dit, tu sais quoi, regarde ce qu'on va faire. Moi, j'ai besoin de vivre tranquillement, sereinement, dans le silence et la tranquillité. Je te donne les clés de mon royaume, je te donne les clés de mon château, fais ce que tu veux, vis tranquillement, moi je vais aller vivre ailleurs. Ça, c'est une petite histoire qui nous a racontée par le Maguid de Kosnitch. Il avait l'esprit fin, mis à part le fait que c'était un grand, grand gaon. Et il fait référence à quoi? Eh bien, à ce que nous avons chacun et chacune d'entre nous, ce fameux Yetzerara, vous savez, ce mauvais penchant qui est là. Et en fait, il ne vient pas un coup comme ça venir chez nous quand il vient et qu'il veut essayer de prendre possession de nous, de notre personne. Pour nous amener à faire l'inverse complètement de la volonté de Dieu, il vient parfois avec ses grands sabots, mais quand il arrive avec ses grands sabots, il s'imagine bien qu'on ne va pas le laisser rentrer. Quand il arrive et qu'il dit « je veux prendre possession de tout ce que tu es », il sait très bien qu'on va le mettre dehors, un petit peu comme ce riche qui met dehors son ami en lui disant « écoute, le château, il m'appartient, je ne veux pas que tu rentres chez moi, je ne veux même pas que tu deviennes associé ». C'est un petit peu ça ce qui se passe. Donc, quand il voit qu'il ne peut pas vraiment prendre possession de tout ce que nous sommes, il essaie quand même de prendre, allez, de devenir associé, d'être à moitié-moitié sur ce que nous sommes. Quand Yetzer Hara se rend compte qu'en fait, il n'arrive pas, parce que nous n'acceptons pas, alors il décide de prendre un de nos membres, hein, un des membres du corps, et d'essayer de le gérer. Puis quand il voit qu'il n'arrive pas encore, il dit, c'est simple, je vais faire comme cet homme-là qui plante un clou. Et donc il vient chez nous et il rentre avec des petites incursions comme ça. Une petite incursion un jour, une petite incursion un autre jour, petit à petit il s'installe, jusqu'à ce que nous-mêmes on abandonne, Chas v'Shalom, complètement le territoire, et puis le Yetzerara se retrouve à faire tout ce qu'il a envie de faire, il le fait avec tranquillité, sérénité, et puis nous on n'a plus rien à dire, parce qu'en fait il s'est trop bien installé, et quand il s'est trop bien installé, il a le plein pouvoir, et puis on le suit. Bon, alors est-ce qu'on a la possibilité, nous, de nous en sortir? Alors vous savez, quand le Tania a été écrit, le Likutei Amarim, cette partie du Tania, cette première partie du Tania que le Hadmor HaZaken nous a offert, elle est précédée et elle est basée sur un des versets que nous disons dans le Chumash Devarim, qui karov elecha davar me'od beficha ubivafra la asoto. C'est proche de toi d'accomplir ce que Dieu attend de toi, que ce soit par ta bouche, que ce soit par ton cœur, ou que ce soit dans tes actions. C'est proche de toi. Karov, c'est vraiment proche. Vous pensez vraiment que accomplir les mitzvot, c'est facile pour chacune et chacun d'entre vous? Bon, si vous pensez que c'est facile, alors je veux bien que vous me donniez, à travers vos commentaires, ce que vous en pensez. Comment est-ce que... Voilà, donnez-nous des conseils. Comment c'est si facile que ça, d'accomplir la Torah et les mitzvot? Comment c'est si facile de faire et de respecter tout ce que Dieu nous demande? Comment est-ce qu'on réussit à s'écarter du mal, ne pas tomber dans les tentations? Comment on se renforce? Comment on maîtrise nos tentations, nos pulsions? Et comment on réussit, par exemple, à faire le bien? Faire le bien, c'est pas seulement ne pas être tenté par le mal. Faire le bien, c'est de se dire, allez, je sors de ma paresse, je sors de toute cette inactivité-là, de cette tristesse, de cette torpeur, et puis j'y vais, j'avance et je fais, et j'ai quand même confiance en Dieu. C'est beaucoup de choses, ça. Un, comment c'est facile d'accomplir les mitzvot? Deux, comment s'écarter de toutes les tentations, s'écarter du mal? Et puis, trois, comment faire le bien? Comment faire le bien, ça veut dire, encore une fois, comment passer outre toutes ces choses qui nous empêchent et qui nous empêchent d'avancer, d'évoluer, de bouger et quand même de faire. C'est ce passouk-là, c'est ce verset-là. Kikarov elecha davar meod. Le sens, c'est que c'est facile. Ça veut dire que c'est à la portée de toutes et de tous, en tout temps, à toute époque, peu importe ce qui se passe, j'ai la possibilité et
Je peux le faire. Je peux le faire dans ma pensée, dans ma parole, dans mes actions. Je peux le faire dans mon cœur. Bon, ça c'est une théorie. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Alors on va le voir ici, le Admor HaZaken, à travers ce 25e chapitre du Tanya, va nous montrer, va dévoiler un secret, mais que vous connaissez déjà, je le pense un petit peu, c'est-à-dire l'atome phénoménal qu'il y a, cette arme atomique que nous avons en nous, et qui est cette force que Dieu nous a donnée. Il nous a donné une arme atomique qui a la possibilité de nous donner, qui nous donne la possibilité de combattre et de faire ce que nous avons à faire, et de pouvoir aborder tout cet accomplissement de Torah et de mitzvot de la manière la plus facile et la plus abordable possible. Comment? Alors, puisqu'on parle d'énergie atomique, parlons-en. Vous savez que à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, les scientifiques ont fait une découverte extraordinaire, phénoménale, à double tranchant, c'est que on a découvert ce qu'on appelle l'énergie atomique. On a cherché une énergie atomique, et on s'est rendu compte qu'en fait, pour avoir de l'énergie, il ne fallait pas obligatoirement faire appel à ce qu'on appelle du gaz, ce qu'on appelle une forme de pétrole ou une forme d'explosion d'une forme de matière explosive qui pourrait donner une énergie. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une matière elle-même et que dans cet atome-là, il y avait une énergie atomique, puissante, phénoménale, et que dans cette énergie-là, on pouvait trouver cette force-là sans avoir besoin de faire appel à autre chose. La question qui s'est posée, c'est comment est-ce qu'on va réussir à libérer cette énergie qui se trouve dans cet atome. Alors, pendant les années de la guerre, il y a quelques scientifiques, et parmi ces scientifiques-là, il y avait le fameux Albert Einstein qui travaillait sur ce projet-là. Ce projet-là était nommé le projet Manhattan. Et donc, il y a énormément de scientifiques qui ont travaillé dessus, plus de 600 scientifiques. Albert Einstein va découvrir, va dévoiler tout ce processus. Et grâce à cela, ils vont réussir à créer un processus qui va entraîner la possibilité de libérer l'énergie qu'il y a dans l'atome et de cette façon-là, le diminuer, l'isoler, de façon à ce que l'on puisse créer ce que l'on a appelé les bombes atomiques. La question qui se posait ensuite, c'est quoi? Cette énergie atomique a la possibilité, a la force de détruire. Et on l'a vu, malheureusement, elle a été ensuite utilisée par les Américains au Japon et elle a fait des dégâts considérables. La question qui se sont posées, c'est est-ce que cette énergie atomique qui est capable de détruire des villes entières, est-ce qu'on va pouvoir s'en servir pour faire quelque chose de positif? Est-ce qu'elle va pouvoir nous permettre de vivre en paix et d'avoir une vie normale? Eh bien, après tout un système et toutes sortes de recherches et d'analyses, de développement, on a pu monter ce qu'on appelle des centrales nucléaires qui vont donner de l'énergie positive, de l'énergie atomique qui permet aujourd'hui à chacune et chacun d'entre nous, souvent dans quasiment tous les pays du monde, d'aller recharger notre petit téléphone portable ou bien d'aller tout simplement brancher notre ordinateur ou de brancher le mixeur qui se trouve dans votre cuisine. Ça, c'est cette transformation-là. On a réussi à créer et faire en sorte que cette énergie atomique est capable, à travers toutes sortes de transformateurs précis qu'il y aura dans chaque endroit, de faire en sorte qu'on aura la possibilité d'utiliser cette énergie-là sans que cela explose. Donc, cette énergie atomique est devenue positive. Alors, est-ce que le peuple juif a cette arme atomique? Bon, ça reste l'éternelle question. Est-ce que Eretz Israël, est-ce que l'État d'Israël a l'arme atomique? Bon, ça reste un secret, on ne sait pas. En tout cas, ça ne nous concerne pas vraiment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que spirituellement, nous avons cette arme atomique? Est-ce que chacune et chacun de nous, nous l'avons? Et la réponse, c'est que nous l'avons. Et vous allez le voir. Cette arme atomique, c'est ce qui nous permet, dans la vie de tous les jours, d'avoir les capacités de vivre cette vie-là spirituelle, de vivre cette vie de juif dans ce monde-là matériel, de vivre à contre-courant a priori, de faire mieux que ça, de réussir à faire en sorte que notre vie matérielle puisse se spiritualiser et se sanctifier, se purifier, qu'on puisse vivre avec cette énergie, transformer cette énergie en quelque chose de positif.
Et donc là, ce qui pourrait nous paraître très très loin de nous, ça va devenir quelque chose de très proche. Et c'est ces mots-là qui sont prononcés, et qui sont dits dans cette Torah-là, quand on dit « Karov elcha davar meod ». Oui, c'est proche de toi, tu as la possibilité de le faire. Tout ça se trouve dans ton cœur, dans le cœur du juif. Et c'est vraiment ça, c'est dans le cœur que se trouve cette énergie, qu'on va pouvoir utiliser comme il faut. Bon, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident parce que on sait qu'on est tous confrontés à des épreuves, à des moments difficiles. C'est un fait que souvent, on trébuche jour après jour. C'est pas évident de garder sa forme, de garder son sourire, de garder sa joie, de garder le shalom dans le foyer, de garder sa patience face à ses enfants dans l'éducation, de garder la tranquillité d'esprit, de garder la force de ne pas tomber, de ne pas être tenté par les avérotes qui se présentent devant nous. C'est pas facile de garder toujours tout ça comme il faut. Donc, Kikarov Elecha Adavar Meon, ouais, eh ben, il faut voir la suite de ce que Ben Morazake nous dit juste après. Il dit, c'est facile, c'est proche de toi, mais Bedere Haruka Uktsara. Il va falloir que tu prennes un chemin qui est long, mais qui est court. Vous vous souvenez de cette petite histoire que nous avions racontée? Ce petit enfant qui se trouve à la croisée des chemins et qui se trouve en bas d'une longue montagne et d'un long chemin. Et là, un grand sage qui le croise et qui lui dit « Dis-moi, j'ai besoin d'aller de l'autre côté, tu vois, au sommet de la montagne. D'après toi, quel est le chemin que je dois emprunter ? Il y a deux chemins. » Et là, le petit garçon lui dit « Ben, moi, j'ai l'habitude, mais vous avez la possibilité de choisir ou celui-ci, les deux vous amèneront au même but. Ben, » Il dit « Ah bon ? Ben, alors, lequel je dois prendre ?» Il dit « Ben, c'est à vous de choisir. Vous en avez un qui est court, mais qui est long, et vous en avez qui est long, mais qui est court. » Il dit « Ah bon ? Qu'est-ce que ça veut dire ? » Eh ben, si vous prenez celui-ci, c'est court, mais c'est long. Et si c'est là, de ce côté-là, c'est long, mais c'est court. Bon, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais il entend le mot court, il se dit très bien, je vais prendre celui qui est court. Et voilà que ce grand rabbin, ce grand rave, prend le sentier qui est court. Il commence à avancer, il se rend compte qu'en fait, sur la route, il y a toutes sortes d'embûches, toutes sortes de choses qui l'empêchent d'avancer. Des petits arbustes, et puis parfois des fossés, parfois des pierres. Il n'arrive pas à avancer. Il retourne comme ça, il va voir l'enfant, il lui dit « Mais dis-moi, tu m'as dit que c'était un chemin qui était court. Comment ça se fait que je n'arrive pas à avancer ? C'est impossible. Je vois déjà l'horizon, mais je n'arrive pas à avancer. » Il lui a répondu comme ça, le petit garçon. Il lui a dit « Mais mon cher maître, je vous ai dit qu'il était court, mais qu'il était long. Ça veut dire que oui, dans la distance, c'est court. Vous avez la possibilité de voir déjà votre destination. L'horizon, déjà, c'est clair à vos yeux. Mais il va falloir que vous passiez par tous ces travers-là, par ce chemin sinueux. Prenez l'autre chemin. L'autre chemin est peut-être plus long. Mais il sera beaucoup plus facile et atteignable. Il sera beaucoup plus long parce que ça va vous prendre plus de temps. Mais au moins, vous aurez un chemin qui sera serein, qui sera tranquille. Qui sera moins semé d'embûches. Alors oui, le Admorazaken nous dit ici, bien sûr que c'est proche. Bien sûr que c'est proche de nous de faire ce que Dieu attend de nous. Mais ce sera long, mais court. Long dans le sens où, bien sûr que c'est... Il va falloir travailler. C'est un travail de tous les jours, de tous les instants. Et on tombe et on se relève, et on tombe, on se relève. Mais c'est viable. Mais on a la possibilité de le faire. On va nous donner les armes, on va nous donner la technique. Et c'est ce que le Tania nous donne. Il te dit, c'est un chemin qui est court. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bien qu'il soit long dans la distance, tu vas découvrir qu'en fait, tout est en toi. Tu n'as pas besoin d'aller créer quelque chose. Il faut savoir que cette énergie atomique qu'il y a en nous, on l'a. On n'a pas besoin de la créer. On n'a pas besoin d'aller chercher quelque chose qui est extérieur à nous. C'est en nous. C'est un monde naturel que chacune et chacun d'entre nous avons. On l'a reçu en héritage de nos parents, saints, de nos patriarches. C'est quoi ? C'est la volonté de s'attacher avec Hachem. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. On peut courir après tous les plaisirs du monde. On peut subir toutes les frustrations que le monde nous impose. Mais au fond de nous-mêmes, on ne peut pas se le mentir. On ne peut pas se mentir. Et même quand on ne le sait pas, c'est ça qui se passe. C'est cet amour qui est enfoui au fond de notre cœur, cette volonté de s'attacher avec HaKadosh Baruch Hu, et cette volonté de ne jamais se séparer de Dieu. On parle d'une force phénoménale, vous imaginez ? Ça ne s'apprend pas. On n'a pas besoin d'aller dans une grande école pour apprendre ça. On n'a pas besoin de passer des diplômes. On n'a pas besoin de techniquement franchir des étapes pour cela. C'est en nous. Ça, c'est un cadeau phénoménal. Ce qui me rappelle qu'il faut qu'on se souhaite les chaïms, parce que je ne sais pas si on s'est souhaité les chaïms déjà ce soir. Les chaïms à chacune et chacun d'entre vous.
N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette publication afin que nous soyons encore et encore et encore toujours plus à étudier ces mots de Torah. Et qui sait, peut-être sauver une neshama, une âme qui entendrait un principe qui pourrait l'aider. En tout cas, on est là pour ça. Quelle est cette force, la puissante qu'il y a et qui est cachée en nous, mais qui ne s'exprime pas dans la vie de tous les jours? On ne se lève pas en se disant « Waouh, j'aime Dieu. Waouh, j'ai envie d'être, de faire la volonté de Dieu. Je vais aller dormir là, je n'ai surtout pas envie de faire l'inverse de la volonté de Dieu. » Est-ce que vraiment on se lève avec ça? Est-ce que vraiment on respire avec ça? C'est pas évident. Ça nous arrive des fois. Des fois, on a des impulsions, on a envie. Mais la nature, dans la vie de tous les jours, faut se l'avouer, c'est pas si facile que ça de vivre dans cet état d'esprit-là. Alors, on le sait que ces moments-là se réveillent, et ces énergies se réveillent à des moments précis. Lorsqu'on est face à une épreuve, phrase véchalom, difficile, ou lorsque parfois on est face à un challenge. Dans ces moments de test, dans ces moments d'épreuve de foi et de confiance en Dieu, là, le juif, il sent cette flamme qui brille en lui, qui brûle en lui-même. Lorsqu'un homme, il est face à ce danger, qu'il sent qu'il peut perdre le seul lien qu'il a avec Dieu, c'est-à-dire ce lien intrinsèque, là, il sent qu'il a cette force-là. Et le fait de prendre conscience qu'il a cette petite flamme en lui, ça lui donne la force de se battre et de réveiller cet amour qu'il a pour Dieu. La question, c'est comment est-ce qu'on est capable d'utiliser cette énergie atomique qu'il y a en nous? Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Mais pas sans arrêt quand on est dans le combat. Okay? Pourquoi à chaque fois utiliser cette arme de destruction massive lorsqu'on est confronté à une épreuve où là, on nous dit hey, on va te retirer ta judaïté, on va te demander de transgresser le Shabbat, on va te demander de transgresser quelque chose. Et là, tu dis, oh ben non, pas du tout, je ne vais pas perdre mon identité juive. Pourquoi est-ce que c'est quand on te fait mal, quand on te dit, je ne vais pas dire le mot dans la rue, que tu te réveilles, tu dis, oh mais non, pas du tout, je suis juif, qu'est-ce que ça veut dire de me traiter comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être dans l'adversité pour révéler en nous la force, Razak, la force et l'énergie de réveiller cette force et cette énergie-là qu'on a en nous, qui nous donne envie de nous battre et de nous relever et de retrouver cette identité, cette raison d'être que nous avons. Pourquoi? Pourquoi il faut que quelqu'un nous fasse du mal, chas v'shalom? Faut qu'on se réveille, qu'on se dise, waouh, faut qu'on fasse teshuva, qu'on retourne vers Dieu. Pourquoi est-ce que dans la vie de paix, pourquoi dans une vie sereine, pourquoi on n'a pas réussi encore à faire ce qu'on a réussi à faire, cette énergie atomique, l'utiliser pour une énergie positive? Se lever le matin et avoir besoin de faire la tefila, c'est une épreuve aussi. C'est une épreuve en temps de paix. Faire le kriyat shema à l'heure, c'est une épreuve. Faire attention à ce qu'on regarde avec ses yeux, c'est une épreuve. Manger que de la nourriture cachère, c'est une épreuve. De ne pas voler quand on travaille, c'est une épreuve. Pourtant, on n'a pas l'impression, quand on est face à ces situations-là, d'être dans une situation aussi grave que si quelqu'un vient dans la rue et nous dit « Si tu te prosternes pas devant ces statues, je te tue. » On a l'impression que c'est plus facile. Et puis, c'est pas si grave de ne pas respecter scrupuleusement Shabbat. On se dit « C'est pas grave. » Pourquoi est-ce que dans ces éléments, dans ces moments-là, de facilité-là, on ne les voit pas avec autant de gravité? Comment est-ce que la volonté d'être attaché avec Dieu et la crainte de ne jamais être séparé se réveille uniquement dans des moments extrêmes, dans des situations extrêmes? Et comment ces moments-là peuvent devenir une source de motivation, une source de force et d'énergie face à ces épreuves quotidiennes, ces épreuves quotidiennes que nous avons? Le Mourazaken nous dit ici qu'en fait, il faut savoir que cette possibilité que nous avons, cette capacité que nous avons de respecter la Torah et les mitzvot, de garder ce que Dieu nous demande de garder, de se renforcer et de combattre notre mauvais penchant, c'est à la portée de tous, en tout temps, à toute époque et dans chaque situation. Parce que si je suis capable de comprendre que c'est ce grain de folie qui me fait faire ce que je suis en train de faire, ben je vais réveiller en moi cette force inouïe qui est en moi, me rappeler que j'ai l'amour pour Dieu, et cet amour-là, c'est un amour qui est naturel. Et on va se concentrer ici sur le dernier mot de ce verset. Enfin, pas sur le dernier mot, excusez-moi, mais sur le mot essentiel qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est « oubi levavecha », par ton cœur. Qu'est-ce que c'est le cœur? Le cœur, c'est les sensations, les émotions. C'est avoir une émotion, c'est ressentir quelque chose. Ressentir de l'amour pour Hachem. Ce sentiment-là, il est fait de deux éléments.
Le sentiment d'attachement pour Hachem, c'est et le sentiment d'amour et le sentiment de crainte. C'est deux sentiments, c'est deux émotions. Le sentiment de crainte que nous avons pour Dieu, c'est le sentiment et l'émotion qui fait que je ne veux pas me détacher de Dieu. C'est le même principe. Comment est-ce que je peux éprouver les deux en même temps? Alors vous savez comment est-ce que c'est décrit dans la Kabbalah? C'est décrit comme ces deux ailes qu'un oiseau a. Petit oiseau. Et pour voler, il a besoin de ses deux ailes. Et les deux ailes, c'est quoi? C'est d'une aile, c'est l'aile de l'amour. Et de l'autre côté, c'est l'aile de la crainte. Et donc, il faut ces deux ailes-là pour pouvoir s'envoler, pour faire ce que nous avons à faire. Regardez ce que les mots du Tania nous disent aujourd'hui. Perek Rafé, le chapitre 25, Vezehu Shekatouf, Kikarov Elechad Avar Meod, Shebekol, Et Obechol Shah, à chaque moment et à chaque instant, Biado Shel Adam Mirshutu, Le Adir Warshtut, Vechicha Mikribo, l'homme a la possibilité, il a dans sa maîtrise, il a dans ses capacités-là de faire partir cet esprit, ce vent de folie qui s'empare de lui et qui lui fait fauter. Et faire partir aussi également l'oubli. L'oubli, c'est quoi l'oubli? Ben, l'oubli, c'est-à-dire l'inconscience que l'on a de ne pas être, d'oublier qu'on est devant Hachem et de faire l'inverse de sa volonté. Et qui se trouve en lui et de s'en souvenir et de réveiller l'amour qu'il a pour Dieu de manière totale. Belishum safek, sans aucun doute. Le doute. Ben, le doute, c'est ça le problème en fait dans la vie d'un homme. C'est le doute qui le fait fauter. C'est le doute. Quand il est dit « Ouvil vavecha » et par ton cœur, ça veut dire qu'on a la possibilité d'aimer Dieu et de rappeler et de réveiller cet amour pour Dieu par le cœur, par le sentiment d'amour que nous avons pour lui. Et dans ce sentiment-là d'amour, il y a aussi de la crainte. C'est ce qu'il nous dit ici dans les mots. « Venichlal ba gam dechilu » il est inclus dans cet amour-là également de la crainte. « Deinu » quelle est cette crainte-là ?« Shelo leiparet bechumofen bichudu vartut eitbarech afilu bimtsurot nefesh mamash » de ne se séparer jamais, sous aucune façon et d'aucune manière, de l'unicité même de Dieu, du Saint béni soit-il, même en donnant son âme, véritablement, si ce n'est par cette nature divine. Il y a plus forte raison de briser les désirs et les passions, les pulsions, les envies que nous avons, d'aller courir et plonger dans des plaisirs, même des plaisirs matériels qui sont permis dans la Torah, mais d'y plonger la tête la première et d'oublier que nous sommes des hommes et de se mettre au niveau de l'animal, puisque on va être attiré, on va assouvir ces désirs et ces pulsions-là de manière totalement animale, et on oublie que nous sommes des hommes à ce moment-là. Alors à ce moment-là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave que tout. Mais on a la possibilité de maîtriser cela. Ça veut dire que de la même manière qu'on plonge la tête la première, on peut décider, non, de garder la tête complètement au-dessus de l'eau, de ne pas tomber. Il y a deux façons de réussir à révéler et de réveiller cet amour qu'on a pour Hachem et en même temps de craindre Dieu. Sour Mera va assez tôt. S'écarter du mal et se rapprocher du bien. On a déjà parlé ensemble de ce qui était la force de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu et d'être capable de repousser le mauvais penchant qui se présente à nous, de repousser ce mauvais penchant et de ne pas se laisser avoir par ce vent de folie qui s'empare de notre personne. Ce qu'on a appelé le Ruach Shtut, ce vent de folie. Le problème, c'est que par définition, ce vent-là, parfois, ça peut devenir une tempête. Une tempête. Et ce vent-là, il va faire tout ce qu'il peut pour entrer en nous. Vous connaissez les différentes tempêtes qu'il y a. Il y a des tempêtes de vent, il y a des tsunamis, mais il y a ce qu'on appelle aussi les tempêtes de sable. Toutes les personnes qui habitent, et il y en a sûrement ce soir, qui habitent pas très loin du bord de mer, vous le diront, il faut très souvent faire le ménage à la maison, même si personne n'a été à la plage. Eh bien, il y a du sable. Le sable entre partout. Il entre partout. À travers, avec le vent, il s'immisce partout. La Chassidoute nous dit qu'en fait, il faut savoir que parfois, ce vent de folie-là, même quand on est décidé, même quand on fait tout pour ne pas le laisser rentrer en nous,
C'est-à-dire qu'on a pris des décisions et qu'on arrive à s'en tenir. On sait qu'il y a des choses que nous ne voulons pas faire. Il y a des domaines dans lesquels nous n'allons pas aller. On ne se met jamais dans des situations compliquées qui vont nous emmener, qui peuvent nous emmener, chas v'shalom, à faire telle ou telle avéra. Mais on sait que ce vent-là de folie, cet esprit de folie, peut s'immiscer en nous de manière très réfléchie, très rusée, à travers toutes sortes de justifications qu'il va nous donner face à des situations. Et comme ces petits grains de sable, ils vont réussir à rentrer, s'installer, se poser quelque part. Mais pour cela, nous avons des armes aussi. C'est l'arme de Sourmera. Qui est ce monsieur Sourmera? L'exemple qu'on pourrait donner, c'est les situations humaines et naturelles dans lesquelles un homme il se retrouve souvent dans la vie. La nature humaine, c'est que nous avons la volonté de vivre et de ne pas faire l'inverse, et de ne pas vivre l'inverse de la vie. Je ne veux pas prononcer le mot. Un homme, il veut vivre. Ça n'existe pas un homme qui n'a pas la volonté de vivre. Un homme veut vivre. S'il n'a pas la volonté de vivre, chas v'shalom, c'est qu'il est malade, c'est qu'il y a un problème psychologique ou autre. Mais la volonté de vivre, c'est quelque chose qui nous anime et qui fait qu'on se lève le matin. Quand on perd cette volonté de vivre, alors on étudie beaucoup, beaucoup, beaucoup de chassidout et on la retrouve. Mais quand on a cette volonté-là de vivre, pourtant on va se rendre compte que dans notre vie de tous les jours, physiquement, on est capable de faire complètement l'inverse de ce que notre volonté de vivre nous impose. Un homme est capable de vouloir survivre dans des situations extrêmes. Un homme va tout faire pour vivre comme il faut. Il ne prendra aucun risque dans sa vie. Et pourtant, il est capable de fumer. Il est capable d'aller manger ce qu'il ne devrait pas manger. De ne pas manger sainement. Il sait, dans les grandes lignes, que pour être en bonne santé, il faut qu'il ait une activité physique. Tous les jours, quotidienne. Il sait que pour être en bonne santé, le Rambam le dit aussi, il doit faire attention à ce qu'il mange. Pas trop manger. Manger moyennement et puis manger de chaque chose. Il sait aussi que pour être en bonne santé, il doit dormir comme il faut. Il sait aussi qu'il ne doit surtout pas fumer. Alors, il sait tout ça. Ok ? S'il s'assoit et qu'il prend une feuille et qu'il se dit « qu'est-ce que c'est vouloir vivre ?» Eh bien, il mettra comme ça, dans les mêmes cases. Voilà ce que ça veut dire vivre en bonne santé. Ne pas se mettre dans des situations difficiles. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe, ça veut dire qu'on n'a pas tous les jours la possibilité de manger ce qu'il faut. On n'a pas toujours la force de se dire « non, il faut surtout pas fumer ». On n'a pas la force de faire très très attention de faire son activité physique quotidiennement, même si c'est pour la bonne santé du corps. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, dans ces situations-là, il y a différentes réponses qu'on peut donner à ça. Ah ben, on se dit « non, mais c'est pas méchant. Le dommage, il n'est pas tellement, il n'est pas si grand, c'est pas grave. Ok, je ferai attention demain. C'est pas si grave si j'ai pris un dessert et que j'en ai pris déjà hier, et que j'en prendrai encore ce soir. C'est pas si grave si j'ai fumé déjà une cigarette et j'en ai su fumer. Non, mais j'en fume qu'une autre. » On n'est pas conscient de la gravité. C'est ce petit Ruachtout, ce petit vent de folie, qui nous fait perdre le sens des responsabilités et le sens de la gravité des situations. Parfois, on se dit, bon, mais c'est permis d'après la loi. Bon, mais si c'est permis quelque part, si la société me l'impose, si c'est sur la carte de ce que l'on me propose au restaurant, ben c'est que c'est bon. Ok, c'est pas top pour la santé, mais c'est pas grave si je le consomme. C'est pas si grave que ça. Si tu t'assois vraiment et tu regardes vraiment ce que tu es en train de manger, ce que tu as mangé hier, ce que tu as mangé demain, ce que tu mangeras demain, et ce qui se passe dans ton corps, tu vas dire, mais j'ai rien du tout à manger. J'ai pas du tout. Je dois refermer cette carte-là, tout simplement. Je commande un thé à la menthe. Je vois toi. Mais si je décide de me laisser emporter par ce petit vent de folie qui s'empare de moi, eh bien là, j'ai plus de force pour combattre. Bon, je prends l'entrée, le plat et le dessert. Il n'y a pas de problème. Et puis, il y a aussi une autre réponse qu'on est capable de se donner. C'est qu'on se dit, mais non, mais c'est pas grave. C'est temporaire. C'est juste maintenant. Non, demain, je ferai bien. Demain, je ferai bien. Demain, je me mets au régime. Je commence demain. Voilà. Donc, on a les réponses à cette situation. Pourtant, si on s'assoit vraiment franchement et qu'on réfléchit à tout, on se dit, mais non, pas du tout. Un homme, il veut vivre. Un homme, il veut survivre. La seule chose qu'il veut, c'est faire tout ce qu'il faut qu'il fasse pour vivre comme il faut en bonne santé.
Maintenant, les petits gestes de tous les jours, eh ben, c'est pas ce qui se passe concrètement. Donc on a des réponses, encore des réponses, des justifications. On a à chaque fois des bonnes justifications. Alors on va prendre les mêmes exemples si vous voulez, mais dans ce qui nous préoccupe là, ici, bien sûr que cette santé physique nous préoccupe, mais elle préoccupe aussi du côté de l'âme spirituelle, de l'âme divine et de notre service de Dieu. Et on va voir que c'est les mêmes problèmes en fait qui s'opposent à nous. Il y a les interdits de la Torah. Ne pas manger, de consommer quelque chose qui est interdit dans la Torah. Ne pas manger quelque chose qui n'est pas cachère. Il y a le fait que, déjà par exemple, fumer c'est pas bon pour la santé, c'est interdit. Mais il faut savoir que fumer Shabbat c'est encore interdit, donc c'est une double interdiction. Bien sûr que là on est en train de parler de cas qui sont extrêmes. Bien sûr que c'est différent de l'exemple que nous avons donné avant. Quand on parle uniquement de la santé et qu'on rajoute la dimension spirituelle, la dimension divine qu'il y a dans cela, ça rajoute quelque chose de plus fort, de plus puissant. Quand on fait rentrer la volonté d'Hachem dans la photo, alors l'homme a beaucoup plus de force, beaucoup plus de motivation de se maîtriser sur cette épreuve. Même s'il n'est pas capable de réussir son régime, il est capable, écoutez bien cela, de ne pas manger quelque chose qui ne serait pas cachère. Donc tu n'es pas capable de faire attention à ce que tu manges, qui serait mauvais pour ta santé, mais tu es capable quand même de faire attention à ne pas manger quelque chose de non cachère. Tu n'es pas capable d'arrêter de fumer, mais tu es capable d'arrêter de fumer le jour de Shabbat. Pour quelle raison tu as cette force-là? Pour quelle raison Shabbat entre, tu te déconnectes, tu arrives à arrêter de fumer? Bon, tu es un peu nerveux, ok, parfois. Mais quand Shabbat y termine, tu as besoin de ta cigarette, c'est-à-dire... On ne peut pas te parler, il faut que tu fumes ta cigarette. C'est pas justifiable, hein. Mais ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'à un moment, on voit que la force spirituelle, la force de l'âme que chacune et chacun d'entre nous avons, elle nous permet de faire quelque chose de beaucoup plus fort. Une force qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours. Tu n'es pas capable d'aller au sport tous les jours, de faire ton activité physique tous les jours. Mais tu es capable d'aller marcher trois quarts d'heure si tu as besoin d'aller à la synagogue. Oui, tu es capable de le faire. Tu n'es pas capable dans un jour de semaine... de te dire, je ne vais pas manger ce repas-là, ou de manger à cette heure-ci ou cette heure-ci. Mais Shabbat, tu es capable d'accepter de manger à cette heure-ci ou cette heure-ci. Il se passe quelque chose. Et qu'est-ce que c'est ce petit quelque chose que nous avons en plus? C'est cet atome juif qui est en nous. Cette énergie-là, c'est la volonté de ne pas se séparer de Dieu et la volonté d'aimer Dieu. Mais lui de Sarah, il ne nous laisse pas tranquille. N'imaginez pas que ça veut dire que c'est facile. Il va trouver toutes sortes d'excuses, comme les excuses que nous trouvons quand on a décidé d'arrêter de fumer et qu'on fume quand même. En se disant, bah, c'est pas grave, c'est juste la dernière. Ou qu'on a décidé de se mettre au sport tous les jours, mais on n'y va pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est spécial. On a des excuses. Ben, lui de Sarah, il sera là aussi. Hein, le mauvais penchant, il est là aussi spirituellement. Il va te dire, ok, tu fais tout, tu fais Shabbat. Tu fais Shabbat, c'est pas grave si tu vas utiliser quelque chose là qui est mouktsé et que t'as pas le droit d'utiliser Shabbat. C'est pas grave si tu bouges, voilà, le téléphone, c'est assourd de bouger, c'est interdit de bouger un téléphone. Ton ordinateur portable, il est là, ça te dérange, tu préfères qu'il soit dans un autre endroit. T'as pas le droit de le bouger. C'est pas grave, allez, c'est bon, je l'utilise pas, hein, je le prends dans ma main, je le pose à côté. Ben t'as commis un interdit. Interdit Shabbat. Mais pourquoi est-ce que t'es capable de le faire? T'es capable de le faire parce qu'en fait, en réalité, tu dis, bon, c'est pas méchant. De toute façon, je le fais Shabbat. Je ne suis pas allé au travail, je n'allume pas la télévision, chas v'chalila si on en a une, je n'utilise pas l'électricité. Hein. Mais c'est une petite chose. Je mange tout à fait cachère, je mange tout ce qu'il faut. Hein. Mais bon, c'est pas grave si je prends par exemple du chalav norri, hein, c'est-à-dire du lait qui n'est pas surveillé. La preuve, il y a des rabbins qui le permettent. Donc c'est pas grave. Bon, je me laisse un petit peu aller. Bien, je vais pas faire exactement tout ce qui est écrit, je vais franchir un petit peu les lignes. Est-ce que j'ai le droit? L'chaim, l'chaim. Et l'autre excuse qu'on se dit et qu'on se donne, c'est quoi? C'est juste temporaire. C'est juste maintenant. Je le ferai pas demain. C'est juste une fois, j'étais en vacances.
J'étais en vacances, j'ai pas fait attention à ce que j'ai mangé. C'est juste du poisson, c'est juste une salade, ras shalom. Mais non, mais en général, quand je suis chez moi à la maison, je mange que cachère. Bon, quand je suis dehors, bon, c'est pas grave. Alors on voit qu'en fait ici, lui, Yetzirara, bizarrement, il ne fait pas appel à cet atome-là, à cette énergie atomique que nous avons en nous, et qui ne nous permet pas normalement de faire l'inverse de la montée de Dieu. Mais elle est passée où, cette énergie-là? Pourquoi je suis capable de flancher, là? Comment ça se fait que je suis capable de flancher? Alors, il y a des réponses à ça. Il faut savoir que le monde entier, lui, tient, existe parce qu'Akadosh Baruch Hu donne sa force, donne son énergie. La question, c'est, est-ce que nous, on s'attache à cette force-là de sainteté, quand on se soumet, quand on accomplit sa volonté, ou bien on se détache de cette sainteté-là, et qu'on franchit toutes les lignes, toutes les frontières, parce qu'on fait ce que nous, nous voulons, et parce que Dieu attend de nous. Et à ce niveau-là, l'accomplissement, ou bien le fait de ne pas accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il n'y a pas de différence par rapport à ce principe-là entre une petite interdiction ou une grande interdiction. Le fait que je franchisse une petite limite ou une grande avéra qui me permet, que moi, à mes yeux, me paraît grande et terrible, ça n'a pas de différence auprès d'Akadosh Baruch Hu. Aux yeux de Dieu, ça n'a pas de différence. C'est-à-dire que ou tu prends l'énergie de la sainteté ou tu ne prends pas l'énergie de la sainteté. Dès l'instant où tu t'égares, où tu franchis la ligne, eh bien, tu fais l'inverse. Il faut savoir qu'en fait, tout ce que les Chachamim nous ont donné, tous ces petits interdits, et encore un interdit, toutes ces petites barrières, ah, le fait que Shabbat, je n'ai pas le droit d'allumer la lumière, ou le fait que Shabbat, je n'ai pas le droit de toucher à ça, mais pourquoi? C'est pas du tout, quel rapport avec Shabbat? C'est pas pour ça que je vais aller travailler, si je touche l'interrupteur, ou si je passe et la lumière s'allume, pourquoi est-ce que je dois faire un détour, et puis ci, et puis ça? Pourquoi c'est tellement de complications? Et en fait, les Chachamim, s'ils nous ont donné ces complications-là, c'est que, justement, c'est pour faire en sorte que nous n'allions ni à droite ni à gauche et qu'on reste sur la bonne route. On l'a dit, c'est un sentier qui est long. Aroukha ou Tsara. Mais c'est facile si tu restes sur la ligne, si tu restes sur le bon sentier. Et si tu continues et t'avances avec tes convictions et tes forces, t'es tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire, t'es tranquille? Ça ne va pas être facile tous les jours. Le problème, c'est si tu vas à droite ou à gauche, là, tu perds complètement la route. C'est-à-dire que tu vas aller chercher des énergies qui sont l'inverse de l'énergie de la sainteté. Et tu dois te débrouiller avec ça après. Il faut savoir qu'un juif, il a au fond de lui quelque chose de très très fort, qui lui donne envie de respecter la Torah et les mitzvot, de ne pas abandonner ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Il fait tout ce qu'il peut, et il va tout faire pour essayer de regarder comme il faut les choses, avec la bonne vue, la bonne visibilité. La vraie réponse, c'est celle que nous avons au fond de notre cœur. Cette réponse que nous avons au fond de notre cœur, c'est ce point culminant qui est cette nefesh, cette âme divine. Cette âme divine-là, peu importe la situation, elle nous permet de passer outre le temps et l'espace, les conditions, les endroits, les lieux, les situations avec lesquelles, dans lesquelles nous nous trouvons, les personnes avec qui nous vivons ces moments de questionnement ou d'épreuve. Elles nous permettent de passer outre tout ce qui se présente devant nous. On doit juste une seule chose, aller faire appel à ce cœur juif que nous avons en nous. Parce que ce point culminant qui est en nous, cette âme divine, quand on réussit à faire appel à cette âme divine-là, elle est plus forte que tout. Elle est plus forte que tout. C'est-à-dire qu'elle nous donne la possibilité de combattre toutes les forces et tous les vents contraires qui se présentent à nous. Alors comment on va répondre à cette question-là ? Qui est, qu'est-ce que nous faisons quand parfois on s'est écarté à un moment, quand parfois c'est juste pour un instant, et que j'ai la possibilité, une fois que je me suis détaché, de revenir me rattacher encore une fois. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se donner cette réponse-là? Et pourquoi on ne peut pas se dire, bon, c'est pas grave si je me suis écarté un petit peu, de toute façon après je pourrai rentrer. Est-ce que vraiment quand on s'écarte un petit peu, on se détache complètement de Dieu? Ou est-ce qu'on peut dire qu'on est toujours attaché à Dieu, mais bon, on a juste enlevé un petit fil? Comment est-ce qu'il faut voir les choses? Est-ce qu'on doit donner de la gravité à des petites écartades ou pas? La vérité, c'est que, vous savez, même quand on fait Avodah Zarah, Chas v'Shalom, on peut faire Tshuva sur la Avodah Zarah.
De la même manière qu'on peut faire teshuva sur une petite faute qui nous paraît petite à nos yeux, on pourra aussi faire teshuva sur l'avodah zara. C'est pas le problème, ça. Il y a bien sûr écrit à Omer Echtavia Shuv, En Maspikim Biadou la Sotchuva. Celui qui dit je fauterai, ensuite je ferai teshuva, on ne le laisse pas faire teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire, on ne laisse pas faire teshuva? C'est-à-dire que toi, tu sais que tu ne dois pas faire ça. Tu sais très bien que c'est interdit de le faire. Et pourtant, tu retournes encore une fois faire la même faute. Mais tu sais que c'est interdit. Tu dis, non, c'est pas grave, je ferai teshuva. Je comprends pas. Tu sais que tu ne dois pas le faire. Et tu le fais en te disant, tu feras teshuva. C'est quand même osé. Vous savez ce qu'on lui dit, là? On lui dit, ah, Omer Echtav Yashuv, En Maspikim, Beyado la Sotchuva. On ne le laisse pas faire teshuva. Alors, le Tania nous explique. Ça veut dire quoi qu'on ne peut pas faire teshuva? C'est pas que tu ne peux pas faire teshuva du tout. Dans toutes les fautes, pour toutes les fautes que nous commettons, on peut faire teshuva. La seule différence, c'est que si toi, déjà, en faisant la faute, tu sais déjà que tu as prévu de faire teshuva, on ne va pas t'aider d'en haut. D'en haut, tu ne vas pas recevoir des forces qui viennent d'en haut pour t'aider à faire teshuva. Quand tu as fait une erreur sans le savoir, quand tu as commis une faute, et que tu n'étais pas dans cette situation-là, tu savais que tu allais faire teshuva juste après, tu as commis la faute et après tu fais teshuva. Là, on te donne des forces, non, on te donne des énergies, on te dit, allez, viens, fais tes choix, je suis avec toi, je t'aide. Quand tu n'as pas été face à une situation qui s'est présentée à toi, mais que tu savais qu'il ne fallait pas le faire, et que tu as quand même commis cette faute-là, et que tu dis, c'est pas grave, je faute, et après je fais le choix, là, on ne va pas t'aider. On ne va pas t'aider. Par contre, si tu pousses, et tu te bats, et que tu dis que tu feras le choix, Hachem, il va t'aider. Comment? À accepter, t'as tes choix. En bifrinat sumera filum averakala shel difrei sofrim, que ce soit des petits interdits qui viennent des chachamim, l'homme a la possibilité de se maîtriser, shelo lavor retsonei dvarer, de ne pas faire l'inverse de la volonté d'Hachem, mais achashenit paredba, michu devar tuto, il doit savoir qu'avec une petite écartade, il s'écarte de Dieu, il s'écarte de l'unicité de Dieu. Kemo behavodazara, mamash, bishat masé, c'est comme si on faisait avodazara. Mais ça, c'est fou, ça, parce que dans la vie de tous les jours, on n'a pas l'impression du tout de faire avodazara. On se dit, mais avodazara, pas du tout, c'était il y a des centaines d'années, qui c'est qui a envie de faire avodazara maintenant? Qui c'est qui a envie d'aller franchir une rue et aller se prosterner devant une statue? On n'a pas envie de ça. Qui c'est qui a envie de ça? Personne n'a envie. Mais sache que cet avodah zara, c'est le repère que tu dois avoir dans toutes tes petites choses, tes petites écartades de tous les jours, que tu te dis, bah, c'est pas méchant. Mais sache que c'est aussi méchant que l'avodah zara à tes yeux. Tu dois savoir que tu t'écartes de Dieu quand tu fais cette petite écartade. Quand tu fais l'inverse de Dieu, la volonté de Dieu, tu fais l'inverse de la volonté de Dieu, et donc tu t'es écarté de Dieu. Même après Avodah Zara, il peut faire teshuva. Comme on disait tout à l'heure oralement, on ne lui donne pas la possibilité, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas d'instant et de moment propice pour accepter cette teshuva, ou de faire cette teshuva. S'il a poussé, s'il a quand même insisté, et il a créé cette occasion-là, où il fait teshuva et il demande à Hachem de le recevoir, sa teshuva. Il n'y a rien qui ne tienne devant la teshuva. Peu importe ce que tu fais. Peu importe, même si tu sais, tous les jours, tu vas refauter encore une fois. Et à chaque fois, tu dis, mais non, je dois faire teshuva, je ne devrais pas le faire. Et tu recommences encore une fois à fauter. Et tu recommences encore une fois à fauter. Sache, il n'y a pas de problème. Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il y a un problème, tu as fait une faute. Mais Akadosh Baruch Hu, il accepte ta teshuva. Ça, il faut savoir. Enfin, piken. Quand même, il faut savoir. Kol ish Israël mukhan uzuman imson nafsho al kudashat Hashem shelo yishtachavot avodah zara afilu lefishah velasot teshuva achar kach. Et bien qu'un homme, il sait qu'il peut faire teshuva s'il a fait avodah zara, on sait que l'homme, écoutez bien ça, il est incapable de faire avodah zara. C'est quand même fou. Faire une petite avera, une petite écartade, on te dit c'est aussi grave que avodah zara parce que tu te détaches de Dieu. Si tu dis je fauterai, après je ferai teshuva, on accepte ta teshuva, même si on ne va pas t'aider d'en haut. Comparé à Avodah Zara, que Avodah Zara, même si tu as fait Avodah Zara, on accepte ta teshuva. Et quand même, le juif, il a cette force-là de ne pas faire Avodah Zara, de se donner, de donner sa vie pour ne pas faire Avodah Zara. Même s'il sait qu'il pourra faire teshuva. Qu'est-ce qui se passe à ce moment d'Avodah Zara? Pourquoi, au moment d'Avodah Zara, là, il est prêt à donner sa vie alors que pour le reste, il se dit, bah, c'est pas grave, je ferai teshuva demain? Et on va accepter cet échoua. Pourquoi pour l'avodah zara, le juif ne se dit pas « Oh, je ne vais pas donner ma vie.
J'ai été capable de ne pas manger kasher, j'ai été capable de ne pas faire Shabbat, et ensuite j'ai fait Teshuva. Ben, pareil, je vais faire pareil. De toute façon, les Chachamim me disent que si je fais Avodah Zara, eh ben, je peux faire Teshuva. Pourquoi là, l'homme, il est capable de donner sa vie? Il ne veut pas compter sur sa Teshuva. Il ne veut même pas faire Avodah Zara. Et on l'a vu à travers l'histoire, ces milliers d'hommes qui ont donné leur vie, tout sauf faire Avodah Zara. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ah, écoutez, pourquoi? Le Morazaken nous dit ici ce secret-là. Veinu mipne or Hashem amelubash benafsham kaniskar leel chez nobi prinat zman veshaaklal et la lema la meazman veshalit umoshe lalav kanuda. Il y a une force dans l'âme du juif qui dépasse le temps, qui dépasse l'espace. Elle est au-dessus de le temps et de l'espace. C'est une force qui maîtrise, qui est au-dessus, qui gouverne chacun. Qui gouverne le temps et l'espace, qui gouverne les âmes, qui gouverne les hommes, qui gouverne les situations, et qui fait que, à travers toute notre histoire, cette force-là n'a jamais changé. Elle s'est adaptée à chaque situation, à chaque temps, à chaque espace, à chaque pays, à chaque civilisation, à chaque ennemi. Et à chaque fois, elle s'est révélée être présente, parce qu'elle habille l'âme du juif. Au moment précis, on lui dit, allez, donne ta vie pour faire... Et ne franchis pas cette ligne-là de faire Avodah Zara, même si tu pourras faire tes choix. C'est quelque chose qui est au-delà de l'entendement. Dans la vie de tous les jours, on ne développe pas, on ne dévoile pas cette force-là inouïe. On s'attarde et on s'arrête sur des petites choses comme ça. On se dit, allez, je franchis la ligne, je me dis que c'est pas grave, je ferai tes choix. Mais l'Avodah Zara, c'est pas possible. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre tannée du jour. On se retrouve Bezrat Hashem demain. Pour développer notre deuxième partie de ce chapitre-là, chapitre 25 de l'Écoute à Marim, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, que l'on se voit toujours dans les joies, le bonheur et la réussite la plus totale. Nous avons étudié ce soir l'Eilou Nishmat Sima Bat Esther Golda. Nous entrons là maintenant précisément dans la semaine avancée chez Lochim. Donc tous les mots qui sont dits ce soir et dans nos études puissent être une source de bénédiction pour l'élévation de son âme. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de brachot, plein de bénédictions. Une super semaine de réussite totale, matérielle et spirituelle. Et Shavuot Tov, Mazal Tov, portez-vous bien. Eliyahu Anavi, Eliyahu Atishvi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Anavi, Eliyahu Atishvi, Eliyahu Agiladi. Bimera Yavo Elenu. Bimera Yavo Elenu. Bimera Yavo Elenu. Imashiach ben David. 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 Et bonne nouvelle!